Et bonjour! On se retrouve pour le jour 5. Et je suis un peu perdu dans ce Nether. Qui est gigantesque, je dois bien l'avouer. Je trouve pas du tout la sortie. Alors je retourne au portail. Un peu risqué, mais bon. Est-ce qu'il n'y a pas une sortie par là peut-être? J'essaie vraiment de trouver désespérément une sortie. Allez. Oh, please. Oh, ça me paraissait pas assez suspect ce truc. En soi, je peux farmer mon quartz ici, mais c'est pas le top quoi. D'ailleurs, je pourrais casser. Ouais, non, je vais pas le casser. Écoutez, je prends le risque que quelqu'un vienne. Je vais pas le casser. Écoutez, on va reminer. Désolé, mais j'entends un ghast. On est en combien là? On est en 106. Et à droite. Je veux sortir. C'est quoi ce nether de mort là? Et tant, il y avait une sortie, je suis passé devant trois fois. C'est possible ça. Ça arrive tout le temps. Vas-y, je vais recommencer à miner, pas le choix. Hein. Je suis désolé. Je suis droit dessus là. Faudrait peut-être me. Hein? Je vais droit dessus, je l'entends et je suis droit dessus. Qu'il soit en haut ou en bas, ça je sais pas, mais en tout cas. Je suis en train de défoncer ma pioche aussi. Allez, gars, sans déconner! Trouve-moi la sortie de ce nether! Quelle horreur! Enfin, ça, on n'est pas chanceux, hein. Perdre 10 minutes là-dedans. J'entends une squelette. On se rapproche d'une forteresse? J'entends un squelette. On est proche d'une forteresse. Ouais, c'est bon, on se rapproche d'un truc. Oh, what? Y a peut-être quelqu'un qui est rentré pour que ça ait lag comme ça. C'est pas impossible. Ah, c'est bon. Une sortie. Une mini sortie. On va faire gaffe, je pense que le rollback est dû à quelqu'un. Nous on prend les niveaux en attendant. Ah! Vas-y, go. Putain, t'es là, toi! T'es là, toi, enfoiré, ça fait une heure! Ok, donc on est dans le vrai Nether. Maintenant, on va essayer de se poser à un endroit. Un endroit plutôt cool. Et on va se faire des enchantes en bas là, c'est pas mal cette petite plaine. Même si on n'a pas une super vue. C'est pas ouf, mais. Écoutez, on va quand même se mettre là. Parce que au moins ça peut arriver que d'un côté, donc ouais, on va quand même se mettre là. Alors. Je peux monter niveau combien là? Ah oui, merde, mais j'ai pas de. Je peux monter niveau 17, c'est pas mal. Alors, on va poser toutes nos affaires. On va poser. Bon, on va faire des fours. On va mettre à chauffer. Ça. Ok. Et puis on va sortir évidemment l'enclume qui est ici. Alors, déjà, on va essayer de réparer notre épée. Voir ce qu'on peut faire avec ça. Parfait. Sharpness 2. Donc la sharpness, on s'en fout. Sharpness 2. Ok. Sharpness 1.
On la dégage pour le moment. Donc on a une charte 3, c'est bien. On va se faire des arcs. Je pourrais me faire 9 arcs. Ouais, alors, on va peut-être d'abord. Donc là, clairement, pour ça ne sert à rien de faire plus. Niveau 1. Power 1. Power 1. Power 1. Et Power 1. Du coup, ça nous fait du. Je récupère le lapis. Ça nous fait du Power 3. En soi, j'aurais pu regarder si je pouvais pas avoir un Infinity ou quoi. Mais pour le moment, je me fais les trucs de base. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Ah, j'ai pas masse biblio, j'aurais pu en avoir un peu plus, je pense, mais bon. Unbreaking, unbreaking, unbreaking. Ok, t'es mort. Du coup, on va se faire d'autres arcs. Encore. Et cette fois, on va regarder sur les gros enchantes. C'est pas ouf. Pas ouf, c'est pas ouf. On va regarder. On va se faire un coffre, vous savez quoi? Ce sera plus simple pour tout stocker, clairement. Le gold pour le moment, voilà. Ok, donc, on va se faire. Ah, on va se faire aussi. Attendez. On va regarder si je peux avoir P2 sur le casque en diams. Avec un petit protection. Ok, pour 6 niveaux, je peux avoir un protection. Go. On va remettre ça en attendant. Elle est là. D'accord, je la voyais plus. Donc pour 6 niveaux, un protection 1. Donc je pourrais fusionner à mon casque déjà protection 1. J'aurai un protection 2 sur le casque. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On récupère ça. Et là, t'as quelqu'un qui arrive et qui me pousse, tu sais. J'aurais tellement mal. Mauvaise. Enfin, de cette manière-là, je l'aurais mauvaise. Bon, j'ai pas eu là. Ok, niveau 6. Je vais prendre ça parce qu'après, c'est de plus en plus long pour monter de niveau. Donc, on va faire vraiment petit à petit. Alors, protection 1. On va arriver là. On va faire protection. Est-ce que j'ai pas mieux fait en fait de mettre le protection 1 d'abord? Attendez, on va faire autre chose plutôt. On va d'abord mettre au moins du P2 sur le truc. Après, rien ne nous empêchera de casser les biblios pour essayer de se faire plus, hein, du P3 à tout ça, mais pour le moment, je pense que la priorité, elle est là. Ok. Est-ce qu'il y a des enchantes en plus? Après, je vais devoir partir loin. Là, il y en a. Diamonds to you. Donc déjà, on se doute qu'Hunter est en alliance avec quelqu'un. Je pense. Alors, Protect 1. Protect 1 plus Protect 1 égale Protect 2. Combien il me faut? 3. Ok. Il m'en restait du truc là-bas. Enchanteur. J'ai l'impression que certains sont en retard par rapport à moi. Après, c'est peut-être juste que les achievements sont cachés. Et puis, je vous avoue que les défenseurs vont être bien bien stuff, je pense. Falloir que je parte ailleurs après chercher du quartz. J'en ai presque plus là. Fait que je sois niveau 3, je crois. Il me semble que c'était ça, on va tout prendre. Ok. Toujours croiser personne. Tristesse. Donc, réessayons. Hop, hop. On est protection de là-dessus, là on est protection à protection 1, donc. Alors, si je pars du P2 ou quoi tout de suite. Avec 3 fire protection, c'est pas top. Projectile protection 4. En soi, ouais, ça coûte 16 niveaux, hein. Mais en soi, franchement, ça donne envie, hein. Ça peut être bien un projectile protection 4.
Et je vais voir vite fait si j'ai pas genre un Fire Aspect ou quoi. Knockback looting. Pour 7 niveaux, je peux avoir une Sharp 2. Allez, hein. Pour 7 niveaux, une Sharp 2. On prend. Ça me fera potentiellement une Sharp 4 si j'arrive à mettre une autre Sharp 2. Là, hein, je vous dis, c'est voilà, c'est objectif. On s'enchante bien comme il faut. Ok, et il y en avait, je crois. Il y en avait là-haut. On va récupérer tout ça. Allez, du quartz là-bas aussi, au pire. Yep. Donc ouais, c'est un peu décousu mes trucs, j'en ai conscience. C'est un coup je fais ci, un coup je fais ça. Je fais pas bah, genre toutes mes armures, puis toutes mes. Mais bon. C'est tentant. Putain, je suis que level 3. Là-bas il en reste. Ici il n'y en a pas. Non. C'est tentant. Hop. Allez, niveau 7, on y croit. Bizarre que j'ai un. Honnêtement, Oula, ça me fait peur. Yop. Bizarre que j'ai encore croisé personne. Attends, je reviens, il n'y avait plus mes biblios, tu sais. Tu dis merde? Qui a pris mes biblios? Toc! L'avantage d'être tout seul aussi, jusqu'aux alliances, c'est que voilà, je peux vraiment profiter de l'ensemble du truc. Ça, c'est un des gros avantages. C'est que je peux vraiment profiter de l'ensemble du truc, donc après, faut pas que je prenne trop mon temps non plus, je sais, mais bon. Pour le moment, les 5 défenseurs sont encore en vie. Oh, c'est pas trop mal, quoi. Qu'est-ce que j'avais vu? Ouais, avec cette torche, je pouvais avoir du coup une Sharp 2. Et donc, là j'ai ma Sharp 3, j'ai ma Sharp 2. Putain, j'aurais pas dû jeter mon autre. J'ai fait une bêtise de jeter l'autre. Bon, c'est pas grave. On va s'en refaire, voir ce que ça donne. Oh! 7 niveaux. 7 niveaux Fire Aspect. On passe pas à côté. Si... Oh! J'ai potentiellement moyen d'avoir une Sharp 4 Fire Aspect, les mecs. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Je suis niveau 9 déjà. What? Je pensais que j'avais claqué tous mes niveaux, mais en fait non, attendez. Génial, c'est génial. J'ai déjà ce qu'il faut. Mute-toi, Paul! Et là? Alors attendez, chaque chose en son temps. Prio à ça. Donc là j'ai une Sharp 2, là j'ai moyen d'avoir du coup une Sharp 1. Si je pouvais avoir une autre Sharp 2, ce serait bien. Ce qu'on va faire au pire, on n'est pas à ça près. Au pire, on va faire. Voilà, ça coûte qu'un level. Il m'en faut juste une autre. J'en ai plus. Hop. Je m'en fais juste une autre, qu'il faut que je mette Sharp 1, on va y arriver. Ah, c'est grave tentant. C'est grave, grave tentant. Ok, là par contre je manque de niveau. Donc, je vais être pas mal. Hein. Je vais être vraiment pas mal du tout. Après, évidemment, si je me prends une team de 3 sur la gueule, ça changera pas grand-chose, mais ce serait bien d'avoir un flame sur l'arc. Ce serait pété aussi. Hop. Oh, il en reste là-haut. Oh, j'ai la flemme, MDR. Au pire, par là. Il y a Paul qui lag pas mal, j'ai l'impression. Là, je prends 2 niveaux pour prévoir les fusions, parce que ça va me coûter quand même cher. Je pense que ça va me coûter au moins 12. Voire peut-être la Sharp 4 Fire Aspect 1 Knockback en plus. Ah ouais, ça va me coûter très très cher. Peut-être même 18, je sais pas.
Mais je la fais, hein, les amis, franchement. On voulait pas, mais là. Là, il me la faut, hein, clairement. Donc, déjà, on va y aller avec cette XP là. On va regarder un peu ce que ça donne. Alors, avec ça. Charpin, charpin. Charpe 2, 8 dans ce sens, 4 dans ce sens. Et donc là. Ouf, 16 d'un côté et 14 de l'autre. Paul, ton micro! Donc 14 niveaux. Waouh! Ça va coûter cher, mais franchement, on serait pas mal. Et après, on se fait vite fait les protects 2 ou plus. Du Fire Aspect, quoi. Ça, c'est la vie. J'ai l'impression d'être dans KTP avec Auré quand on n'y arrivait pas à avoir justement du Fire Aspect et tout qu'on essayait. Et que là que j'en ai. Oh, bonjour. Trop cool. Ça va prendre un petit peu de temps les 14 niveaux, mais on se les fait, les amis. Et après, on est en épée, je pourrais pas avoir mieux. Ça sert à rien d'avoir une Sharp 5, très clairement. C'est. Enfin, voilà. C'est nécessaire de préciser. Ça ne sert vraiment à rien. Je pourrais essayer d'avoir un Flame. Histoire d'être vraiment pété. Où sont les. Ah mince, je suis pas vraiment dessus. Et là maintenant, le mec à qui je peux proposer d'alliance, là je pense qu'il va être content. Pire, si je vois un mec qui veut me tuer, je fais vas-y, viens, j'ai une Sharp 4. Je t'aime bien en fait. Et là, le mec il va me faire vas-y, je suis protection 4. Tu fais Eh bah, advienne que pourra, mec. Ça va être ça le truc. J'ai une Enderpearl, ce qui est pas dégueulasse. Je suis vraiment pas loin de mon portail, donc ça c'est cool. C'est moi qui ai creusé là ou il y a quelqu'un? Je suis arrivé de là, non? Je sais plus. J'ai l'impression qu'entre Scythorax et Paul, ils sont en guerre depuis un épisode. On continue, on a fait la moitié du chemin, niveau 7. Pas s'éloigner trop, là il y a du quartz. Donc, après limite, il faudrait que je bouge. What? Comment tu peux avoir un blaze ici? Mais il y avait l'air. Je pense qu'il y a une forteresse vraiment juste derrière là d'ailleurs. C'est vrai que j'y repense, mais parce qu'on avait entendu. C'était vraiment juste à côté. On avait entendu des squelettes, donc qui dit squelette dit forcément forteresse, que ce soit Wither ou pas, c'était une forteresse. Donc limite après, si c'est pas trop le bordel dehors, si ils sont pas tous en train de se tuer, on ira vite fait voir. Tant tout le monde est en alliance. Non, tout le monde ne peut pas être en alliance parce que. Ah, ceci dit, Sky et Big sont morts. Merde. J'allais dire tout le monde ne peut pas être en alliance parce que on est 15. Mais ça c'est dans le meilleur des mondes. Attends, ils sont tous en alliance. Mais c'est cool de se retrouver un coup en attaque. Avec de la préparation solo, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis dans mon petit coin, je fais mon truc. Ça faisait longtemps que je le faisais pas parce qu'à chaque fois, vu que la défense gagnait, bah je me plaçais d'un point de vue. C'est dangereux ce que je fais là. Je me plaçais d'un point de vue RP et je me disais, bah, la défense a gagné donc je reste en défense. On conserve entre guillemets notre château, même si c'est pas le même à chaque fois, mais vous avez compris. Là, vu qu'on a perdu la dernière fois, après un fight d'anthologie d'ailleurs, bah, voilà quoi. Bon, on va bientôt se laisser encore une fois. Je pense que le prochain épisode, on se sera bien stuff parce que là, ça va être le plus gros enchant que je fais très clairement. Le niveau 14, donc voilà, on va pas tarder à se laisser. Et puis prochaine fois, on termine ça. Et puis on essaie de voir vite fait s'il n'y a pas un donjon derrière. Sinon, on va dehors farmer des popos. Et on va pas tarder ensuite à. Je pense à lancer l'assaut ou à trouver un allié. On verra ça. Allez, sur ce, à bientôt tout le monde. Bye bye. Wow!